what was the topic of this meeting? I think it was discussing the sports stadium and the opportunities there, as well as the opportunities in the individual communities. Il s'agissait de discuter donc des infrastructures sportives, des opportunités. Facilities for the youth. Des opportunités de construction d'infrastructures pour la jeunesse. And provide up to 100,000 jobs. Et mettre en place et donner l'opportunité de créer plus de 100,000 emplois. Est-ce qu'ils sont tombés sur un point d'accord? Have you reached an agreement? I'm going to plead the fifth on that. But we are very excited. All of us. To provide construction, financing, housing and projects. To work with the Ministry of Finance. And sports. And to get it done. Thank you. And miss it. Monsieur le directeur, vous venez rencontrer une délégation d'Américains. Que puisse-t-on retenir de cette rencontre? Oui, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons écouté la délégation conduite par Madame le conseiller spécial. La délégation provient des États-Unis. Elle est intéressée à certains projets que nous avons au ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Ces projets concernent notamment la réhabilitation et la construction des infrastructures sportives et aussi les projets d'insertion des jeunes dans le domaine agro-pastoral. Donc nous avons échangé et ce qu'ils nous proposent est de nature à nous rassurer quant à l'effectivité de la réalisation des projets que nous avons. En matière d'insertion des jeunes, vous n'avez pas d'agriculture. Est-ce que déjà on a... Oui, nous avons au ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Sports un programme que nous appelons le programme pour la promotion socio-économique des jeunes. C'est un programme qui consiste à insérer les jeunes dans divers domaines, mais essentiellement dans le domaine agro-pastoral. Et la Côte d'Ivoire étant un pays essentiellement agricole, et l'agriculture étant le domaine qui est censé être le plus grand pourvoyeur d'emplois, et aussi le domaine susceptible de réduire très rapidement la pauvreté, donc nous intéresse parce que beaucoup de jeunes de l'emploi et notre mission c'est d'être de l'emploi. Merci, monsieur.